Bonjour et bienvenue. Alors, nous allons débuter aujourd'hui avec une petite révision sur la technologie Oxygenail. Quelle est cette technologie? Comment fonctionne cette technologie? Cette technologie, dans le fond, fonctionne sur l'effet Bohr, B-O-H-R. C'est le bel homme que nous voyons sur la photo devant vous. L'effet Bohr a été nommé pour l'homme qui l'a découvert, Christian Bohr. En 1904, il a découvert que l'hémoglobine de notre corps libère de l'oxygène en conséquence des niveaux de dioxyde de charbon. L'hémoglobine fait partie de notre sang, comme vous le savez tous déjà. Nous pourrions imaginer l'hémoglobine comme des petits camions qui apportent l'oxygène partout dans notre corps. Nous remplissons ces camions quand nous inspirons de l'oxygène avec nos poumons. Suite à cela, l'hémoglobine, avec l'aide de la circulation, circule dans tout le corps et diffuse l'oxygène où elle est nécessaire. L'indication pour notre corps de savoir où l'oxygène est nécessaire est basée simplement sur les niveaux de dioxyde de carbone présents. Alors, partout où nous avons une forte concentration de dioxyde de carbone, c'est là que l'oxygène sera libéré par notre hémoglobine. Comme je l'ai déjà mentionné, cela a été découvert par un homme appelé Christian Bohr. Et jusqu'à aujourd'hui, nous l'appelons l'effet Bohr. C'est exactement cette science que nous utilisons lorsque nous provoquons l'effet Bohr avec l'oxygénation. Nous utilisons les gels Neo Revive et Neo Bright avec un capsigen. Le capsigen est composé de bicarbonate de sodium, l'acide citrique et de magnésium. Voyez-vous l'interaction chimique au bas de l'écran? C'est la réaction chimique que vous voyez ici. Ce qui est important pour nous, c'est les niveaux de dioxyde de carbone. Ce qui se produit est quand le Neo Revive ou le Neo Bright entre en contact avec le capsigen. On génère une abondance de dioxyde de charbon et le corps réagit en libérant de l'oxygène de l'intérieur. Ceci est la différence la plus importante entre l'oxygénéon et tous les autres appareils du marché. On ne pousse ni ne force rien de l'extérieur de la peau. Nous ne faisons que capitaliser sur le processus naturel du corps pour générer l'effet désiré de l'intérieur. C'est ce qui génère une oxygénation vraie et significative de l'intérieur. Si vous me demandez, une des principales raisons pour laquelle cet appareil est le plus populaire au Canada et connaît un grand succès, c'est l'effet que ses résultats sont basés sur le processus naturel de notre corps. On ne manipule pas la peau, on ne force pas la peau, on travaille simplement avec le corps, pas contre le corps. C'est donc quelque chose de très important à retenir. Jusqu'à présent, nous avons eu le Neo Bright et le Neo Revive que vous voyez sur votre écran présentement. C'était deux produits fantastiques. Les deux ont donné des très bons résultats. Et maintenant, nous avons trois nouveaux produits à ajouter à l'oxygénéon. Je dis trois nouveaux produits, mais c'est beaucoup plus que des produits. C'est en fait une nouvelle technologie pour générer le traitement. Et nous allons élaborer sur cette technologie maintenant. La grande innovation et la grande évolution de cette technologie est l'oxypod. Et que tous les ingrédients actifs sont en réalité contenus dans l'oxypod, à l'intérieur de la capsule. Cela nous permet de garder les ingrédients à l'état solide, en dormance, et le gel que nous utilisons avec l'oxypod n'est que le gel primeur. En réalité, nous activons les ingrédients uniquement sur la peau de votre patient.
À notre connaissance, il n'y a pas d'autres produits similaires sur le marché. Nous préparons virtuellement le produit sur le visage de notre client. C'est le plus frais que les ingrédients peuvent être. C'est le plus puissant que les ingrédients peuvent être. C'est la condition la plus stable que le produit peut avoir. Et cela supprime tout souci des produits périmés, car tout est à l'état solide. Nous n'avons pas besoin d'agents de conservation. Pour ceux qui se sont joints au séminaire sur le micro-aiguillage, nous parlons beaucoup des agents de conservation, des parfums, des colorants, et nous disons toujours que les agents de conservation sont là pour y rester. Mais parce que nous ne pouvons pas risquer de mettre de produits périmés sur la peau de nos clients. Mais ici, cette technologie créée par Polygen permet d'utiliser des produits sans agents de conservation. Maintenant, nous avons un traitement qui consiste en un oxypod, ce que vous voyez ici sur les capsules, un gel d'après à utiliser avec la capsule, avec l'oxypod, et maintenant la deuxième partie du traitement va se faire avec un autre sachet, un autre sac de produits dans le fond, comme vous voyez ici à droite. Pour compléter le traitement, que nous avons commencé avec l'oxypod. Nous allons maintenant regarder ce que chacun de ces gels contient et ce qu'ils ont exactement. Inutile de dire que les sérums contiennent des agents de conservation car ils sont prêts à l'emploi. Ils doivent donc en contenir. Cependant, lors de la première étape toujours du traitement, les ingrédients sont en préparation sur la peau de notre client et ne contiennent donc aucun agent de conservation. La technologie Oxypod, ça nous permet d'avoir des ingrédients puissants à l'état solide, à l'état dormant, et les ingrédients ne sont activés qu'au contact du gel préparatoire sur la peau du client. Alors, on assure stabilité maximale, fraîcheur maximale, action plus longue et plus intense et sans agent de conservation. Je veux ajouter ici, quand on dit plus intense, quand vous travaillez vraiment avec le produit en clinique, vous allez remarquer que ça génère rapidement plus de microbules de dioxyde de carbone. Alors, c'est pour cette raison que la durée du traitement a été réduite dans la première étape, et nous travaillons seulement que 6 minutes. Maintenant, on va regarder les 3 nouvelles formules. Balance, Illuminate, Revive. Colorant naturel, écologique, validé cliniquement, non testé sur les animaux, sans parabens et vegan. Le premier ingrédient de chaque formule se voit sur votre écran à droite. Pour le revivre, on regarde l'algue rouge. Pour le balance, le charbon actif de bambou. Et pour illuminate, la vitamine C. Chaque nouvelle formule a un sérum spécifique. Les 3 sérums contiennent en commun une complexe huileuse. Des huiles d'argan et jojoba, une complexe d'extrait de plantes, prêle et vanille, et du beurre de karité. Ainsi, chaque sérum contient aussi des ingrédients spécifiques pour compléter chaque traitement. Maintenant, nous allons plonger un peu plus profond et nous allons regarder les ingrédients spécifiques à la raison pour laquelle chaque ingrédient a été choisi. Nous savons que la technologie Oxypod assure la fraîcheur, supprime le besoin d'agents de conservation, n'agit que sur la peau du client, mais je pense qu'il est également juste de dire que l'Oxypod ne peut être aussi bon que les produits choisis. Et ici, Polygen, le fabricant de la technologie, a fait un travail fantastique en sélectionnant uniquement des meilleurs ingrédients qui fonctionnent de manière synergique
et simplifient les uns les autres plutôt que de se faire concurrence. Les ingrédients sont à la fois très efficaces et très doux. Polygen fabrique du matériel médical et lorsqu'ils ont travaillé à la mise au point de ces nouveaux traitements, ils ont collaboré avec le même chimiste que Estée Lauder. Alors, nous pouvons être assurés que ces produits ont été fabriqués en utilisant tout le savoir-faire et toutes les connaissances de l'industrie. L'OxyBalance est le premier traitement que nous allons examiner. Un petit rappel, il s'agit du traitement au charbon actif. L'OxyPod est de couleur noire. Nous avons appelé le traitement Balance parce que ça équilibre et matifie les peaux grasses. Ce qui signifie que nous allons trouver les ingrédients équilibrants et qui réduisent les niveaux de sébum que notre peau produit. Veuillez noter que le sébum produit par notre peau est très sain, car il protège notre peau et conserve l'hydratation. Mais lorsque nous en produisons trop, ça devient problématique. Il est donc très important de régler la quantité de sébum produite par notre peau. Nous verrons également les ingrédients qui détoxifient les pores obstrués et les protègent contre la saleté et des toxines. En regardant la liste, il est clair que ce traitement aura un grand succès sur les peaux grasses et à tendance acnéique. J'aimerais ajouter que tous les traitements Oxy ont des effets très bénéfiques sur les peaux à tendance acnéique, car nous provoquons l'effet barre et enrichissons la peau en oxygène. Comme nous le savons, les bactéries P ne peuvent pas survivre dans un environnement riche en oxygène. L'oxygène l'étouffe. Mais Balance est le plus approprié pour les peaux grasses et acnéiques en raison des ingrédients correctifs que nous allons examiner. Il est également important de mentionner que ce traitement n'est pas réservé qu'aux peaux grasses et convient également à ceux qui souhaitent profiter d'une bonne désintoxication de la peau et d'un nettoyage en profondeur des pores. Lorsque nous examinons les ingrédients, nous voyons trois ingrédients principaux. En premier lieu, le charbon actif qui est à la vedette de cet oxypod. Nous voyons ici un ami avec un nom amusant. Camu Camu, et nous voyons l'acide mandélique. En commençant par le charbon actif de bambou, c'est un ingrédient très spécial. C'est un des meilleurs ingrédients détoxifiants, connus de la science qu'on puisse trouver dans les soins de la peau. Le charbon actif a de nombreuses applications, non seulement qu'on puisse trouver dans les soins de la peau. Le charbon actif est utilisé dans les hôpitaux pour traiter les personnes souffrant d'empoisonnement ou de surdose de drogue. Quand quelqu'un arrive à l'urgence et a pris trop de pilules, la première porte de sortie est d'utiliser le charbon actif, car il passe par le système digestif et absorbe toutes les toxines avant que le corps soit capable de l'absorber dans le sang et s'élimine facilement du corps. Dans le contexte des soins de la peau et de la dermatologie, la meilleure façon de penser au charbon actif est comme un petit aimant microscopique que nous appliquons sur la peau. Il pénètre dans les pores et élimine toutes les toxines et impuretés, ainsi que le sébum, les cellules mortes, la saleté qui rendent la peau plus sensible à l'acné. Et puis on l'enlève de la peau avec la même facilité. De la même manière que notre système digestif n'est pas capable de digérer le charbon, notre peau n'est pas capable de l'absorber. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour parler de la fabrication du charbon actif, mais il s'agit d'un processus tout à fait unique. Disons simplement que le charbon actif est complètement différent de ce que nous utilisons dans nos barbecues. Le processus final est ce que vous voyez sur l'écran. C'est une poudre noire de petites particules pures. Si vous mettez une partie au microscope, c'est ça que vous voyez.
La première chose que vous pouvez voir sur la photo est que la structure est extrêmement poreuse. Il existe de nombreux ports, canaux et tunnels à l'intérieur du charbon. Et c'est là que la magie se produit. En activant le charbon, vous augmentez considérablement la superficie. Pour vous donner une idée, dans une cuillère à thé de cette poudre magique, vous avez plus de superficie qu'un terrain de football entier. Pourquoi est-ce que c'est important? Plus vous avez de superficie, plus vous avez de canaux, de tunnels et d'aimants pour éliminer des toxines. Donc, je pense que cela nous permet de mieux comprendre pourquoi que cet ingrédient est si efficace et pourquoi il est inclus dans ce traitement. Le prochain ingrédient que nous allons examiner est le camu camu. C'est un fruit exotique qui pousse dans les forêts amazoniennes du Brésil et de la Bolivie. C'est la source la plus élevée de vitamine C trouvée dans la nature. Et en réalité, il contient plus que 60 fois la vitamine C contenue dans une orange. Ici, nous utilisons le camu camu pour renforcer la vitamine C dans la peau. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Le plus important pour moi est la vitamine C est un antioxydant très puissant, ce qui signifie qu'elle peut désactiver les radicaux libres de façon hyper efficace. Je veux élaborer un peu sur les radicaux libres. Quand nous sommes sur le point de voir beaucoup d'antioxydants dans la présentation ici, et nous devons comprendre pourquoi ils sont si bons pour nous et pourquoi nous voulons les inclure. Les radicaux libres sont de petites molécules vicieuses qui manquent des électrons. Cela rend la molécule très instable et très réactive. Autant que les radicaux libres deviennent fous à l'intérieur de notre peau, à la recherche d'autres molécules à attaquer pour voler leurs électrons et retrouver leur état stable dans le fond. Deux choses peuvent alors se produire. Soit la molécule dont l'électron a été volé peut devenir aussi radicaux libre ou ça se décompose simplement. Finalement, nous constatons que nous avons toujours des radicaux libres dans notre peau et que les dommages qu'ils causent sont très importants. Ils détruisent les cellules et les membranes ainsi que le collagène et se retrouvent jusqu'à dans la ADN. Ils volent les électrons de notre propre ADN. Vous voyez donc que nous devons vraiment désactiver ces radicaux libres de la manière la plus efficace possible. C'est ce que la vitamine C fait dans le fond pour nous. Ceci est très important, car lorsque nous avons beaucoup de radicaux libres, ils causent beaucoup de dégâts et ces dégâts créent une inflammation. Et l'inflammation apporte l'acné. La vitamine C réduit donc le niveau de radicaux libres, ce qui réduit l'inflammation et les dommages causés à la peau. Nous savons également que la vitamine C est un cofacteur dans la production de collagène. Donc, plus que nous avons de vitamine C, plus nous produisons du collagène. C'est bon pour les personnes ayant des cicatrices d'acné. Et nous savons aussi que la vitamine C est un agent éclaircissant de la peau. Elle aide donc à atténuer la pigmentation associée aux éruptions d'acné. Notre prochain ingrédient est l'acide mandélique. C'est la nouvelle génération des acides alpha-hydroxylés qui en fait est un exfoliant efficace. L'acide mandélique agit mieux sur la peau en brisant les liaisons chimiques qui unissent les cellules mortes, la saleté et les bactéries. Lorsque ces liens sont brisés, il est beaucoup plus facile pour le charbon sur la peau d'éliminer toutes les impuretés. Ceci est juste un exemple de la façon dont l'acide mandélique et le charbon se complètent. L'acide mandélique agit avec le charbon, réduit l'inflammation, possède des propriétés antibactériennes, améliore l'hyperpigmentation. Il est dérivé d'amandes amères. Ensuite, nous allons examiner
le sérum qui complète notre traitement. Le sérum équilibrant balance. Les trois premiers ingrédients sont les ingrédients toujours communs à chaque sérum. Le complexe huileux, au jojoba et à l'argan, les extraits de plantes, à la vanille et à la prêle, et la beurre de karité. Ensuite, nous avons les ingrédients spécifiques au sérum équilibrant. Ce sont de l'acide azélaïque, les peptides botaniques, ainsi que l'acide salicylique, qui sont très courants dans les traitements de l'acné. Nous allons commencer par le complexe huileux. Je suis sûre que vous connaissez tous l'huile d'argan, l'huile de jojoba ou même les deux. Ce sont des ingrédients très courants dans les soins de la peau et ils sont extrêmement riches en vitamines et en nutriments et en acides gras oméga, en particulier la vitamine E, un autre antioxydant très important pour la peau. Ils contiennent également de l'acide linoléique qui repose sur la surface de notre peau et la protège. Il retient également l'hydratation de la peau et prévient la perte d'eau transépidermique. Lorsque nous parlons d'huile d'argan et de jojoba, nous parlons toujours d'antioxydants, de vitamines et de nutriments. Ils ont également un effet très apaisant et sont anti-inflammatoires et antibactériens. Mais dans ce traitement, le plus intéressant, et que ces deux huiles nous aident à réduire et à régler la production de sébum de notre peau. La raison en est que si vous regardez la structure de l'huile d'argan ou de l'huile de jojoba et que vous la comparez à la structure de notre propre sébum, vous verrez qu'elles sont presque identiques. Alors, lorsque nous déposons sur la peau ces huiles, nous persuadons la peau que nous avons déjà suffisamment de sébum et que la peau réduira la quantité d'huile qu'elle sécrète à la surface. Ceci est très important car les huiles d'argan et de jojoba, contrairement au sébum, sont non comédogènes. Cela signifie qu'ils peuvent pénétrer dans les pores pour remplacer le sébum sans les obstruer, sans maintenir ensemble toutes les cellules mortes, les bactéries, la saleté, sans permettre aux bactéries actives de se développer et d'infester notre peau. C'est pourquoi il est très efficace d'utiliser ces huiles d'argan et de jojoba dans le traitement contre l'acné. Encore une fois, ils nous aident à régler la quantité de sébum que nous produisons et ne bougent pas les pores. Maintenant, je suis sûre que vous avez remarqué l'image à droite. Ce que vous voyez, c'est l'arganier qui pousse au Maroc. Il est originaire de Maroc et les chèvres ont évolué au fil du temps pour apprendre à grimper aux arbres car elles veulent atteindre les fruits précieux au sommet des arbres. Ils risquent essentiellement leur vie, mais cela en vaut la peine car l'huile d'argan est tellement saine pour eux aussi. Ensuite, nous avons la prêle et la vanille. Encore une fois, ce sont deux plantes qui sont de très bonnes sources de minéraux et d'antioxydants et de toutes sortes d'éléments nutritifs. Ils ont un effet très apaisant pendant le traitement et ils nous aident également à réduire l'inflammation et à réduire le niveau de bactéries dans la peau. La beurre de karité. Je suis sûre que vous avez déjà tous entendu parler du beurre de karité. L'ingrédient le plus actif du beurre de karité est l'acide cinnamique. C'est un filtre ultraviolet naturel qu'une fois appliqué sur la peau, crée une surface protectrice qui agit à la fois comme filtre UV et retient l'hydratation de la peau. Il est apaisant pour la peau également avec des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Nous passons maintenant à l'acide azélaïque, premier ingrédient correctif du balance.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons assis de l'acide azélique dans le Neon Bright que vous connaissez tous. Ce que l'ingrédient fait ici, c'est qu'il accélère le renouvellement de la peau. L'oxygénéon exfolie la peau et l'acide azélique encourage et favorise le renouvellement de la peau. Il aide également à réduire les boutons et les points noirs et à détruire les bactéries. Enfin, il a un effet éclaircissant, utile pour la pigmentation associée aux éruptions. Ensuite, nous avons un complexe peptidique. Le nom complet est oligopeptide 10 et nous avons l'acide salicylique. Commençons par les peptides. Ce sont des peptides botaniques, donc d'origine végétale. Ce qu'ils font le mieux, c'est qu'ils se lient aux bactéries de l'acné et ils servent de signal au système des cellules immunitaires pour qu'elles attaquent les bactéries. C'est ainsi qu'ils marquent les bactéries pour la destruction. L'acide salicylique. Je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. C'est un acide bêta-hydroxyque, ce qui signifie que c'est un exfoliant très efficace qui nettoie les pores et brise les liens qui maintiennent les cellules mortes ensemble, ainsi que les toxines et la saleté. Fondamentalement, ce que cet ingrédient fait ici dans ce traitement consiste d'exposer les bactéries de l'acné aux peptides botaniques. Vous pouvez donc imaginer que l'acide salicylique ouvre les pores. Les peptides en marquent les bactéries pour que les cellules immunitaires détruisent les bactéries. Ceci est encore un autre exemple de la manière dont ces ingrédients fonctionnent ensemble et se complètent. Je crois que c'est là. Tout ce que nous devons savoir sur le traitement de balance, c'est complet. Notre deuxième technologie, Oxygenéon Illuminate. Nous allons maintenant regarder Illuminate. La raison pour laquelle nous appelons ce traitement Illuminate, c'est parce qu'il unifie et illumine le teint de la peau. Nous verrons également ici des ingrédients correctifs qui corrigent les signes de pigmentation à la source de la pigmentation. Et la source de la pigmentation est le mélanocyte. Les mélanocytes sont les cellules de la peau qui produisent de la mélanine, ce qui est très bon pour nous. Quand nous avons besoin de mélanine dans notre peau, la mélanine absorbe les rayons UV nocifs et les transforme en chaleur. Mais parfois, ces mélanocytes deviennent trop sensibles et commencent à produire une pigmentation indésirable sur la peau. Ce que nous devons faire pour corriger cela, c'est inhiber le mélanocyte lui-même. Une enzyme spécifique qui réside à l'intérieur de l'enzyme elle-même s'appelle tyrosinase et cette enzyme est responsable de la production de mélanine à l'intérieur du mélanocyte. C'est l'usine dans le fond de mélanine de notre corps. Cette enzyme est très sensible aux rayons UV, à l'inflammation ou à un excès d'hormones dans la peau. Elle commence à générer de plus en plus de mélanine. Nous verrons donc ici beaucoup d'ingrédients qui savent comment inhiber cette enzyme et réduire le taux de production de mélanine. Nous verrons également des ingrédients qui seront nous protéger des méfaits du soleil et, comme toujours, améliorer la texture cutanée et les rides. Nous allons maintenant examiner les 5 ingrédients de l'oxypod, l'acide kojic, la vitamine C, et l'alpha-arbutine sont tous des inhibiteurs de la mélanine. Ce que ces ingrédients font de mieux, c'est inhiber la mélanine car ils inhibent l'enzyme tyrosinase, qui est la cause de la pigmentation. Donc, nous traitons non seulement la peau, mais nous traitons la vraie racine du problème, si vous voulez. Chacun de ces ingrédients adresse la mélanine à différentes étapes de croissance pour contrôler le niveau que nous produisons. La vitamine C. Nous avons déjà vu les avantages de la vitamine C lorsque nous avons parlé du Camu Camu. C'est un antioxydant puissant qui réduit l'inflammation. Il éclaircit activement le teint.
L'acide kojic, qui est dérivé de différents types de champignons, est à nouveau un très puissant agent éclaircissant de la peau couramment utilisé dans les traitements éclaircissants. Ça inhibe directement la production de mélanine en maintenant la tyrosinèse dans un état inactif. Il aide également à éliminer des taches brunes, réduire les pores. Et la troisième, l'alpha-arbutine, est dérivée de la bucérole. Encore une fois, il inhibe la mélanine, éclaircit le teint, est efficace dans le traitement des taches de vieillesse et constitue enfin une alternative plus sûre à l'hydroquinone synthétique. Juste un commentaire à propos de l'hydroquinone synthétique. Il est très efficace, mais aussi très agressif pour la peau. Alors, l'alpha-arbutine donne une libération lente d'hydroquinone naturel sur une longue période, ce qui en fait le moyen le plus sûr de l'utiliser. Et maintenant, l'extrait de carotte, une excellente source de carotenoïdes, un antioxydant très puissant. C'est un antioxydant très important car il cible les radicaux libres qui sont davantage associés aux pigments. Il contribue également à éclaircir le teint de la peau en raison du pigment qu'il contient et protège contre les dommages du soleil. Notre dernier ingrédient est la figue du Barbarie, plus haute source de vitamine E provenant d'une plante, une bonne source d'oméga 3-6 et vitamine K et d'acides aminés. Donc, il donne des nutriments et des vitamines à la peau. Mais le plus important, la figue de Barbarie est riche en hydratation. Il est également très apaisant sur la peau, réduit l'inflammation et les irritations. Il est très important d'inclure toujours lorsque nous travaillons avec des ingrédients très efficaces, mais aussi puissants. Également, nous voulons garder la peau apaisée. Ensuite, nous allons regarder les ingrédients correctifs qui se trouvent dans le sérum éclaircissant. Nous avons les trois ingrédients communs dans le sérum, puis les ingrédients spécifiques de l'écorce d'arbre boldo, de l'udécyclinol, phénylalanine et des triglycérides capriliques. L'écorce de boldo est un extrait de l'écorce d'un arbre qui ne pousse que dans le pays du Chili. Cet ingrédient bloque l'activation de l'enzyme tyrosinase et réduit l'apparence de la pigmentation. Donc, ceci est un autre inhibiteur de la mélanine. Et je tiens à dire une chose, tous les ingrédients que nous avons vus jusqu'à présent qui inhibent la mélanine, ils le font à différentes étapes du processus de la production de la mélanine, ce qui signifie que cela fonctionnera plus efficacement qu'un seul inhibiteur pourrait. Également connu sous le nom de Sepiwhite, MSH, il s'agit d'une hormone stimulant la mélanine. Si vous vous en souvenez au début, nous avons parlé de trois facteurs qui peuvent stimuler la mélanine. Les rayons UV, l'inflammation ou des blessures. Et nous avons également les hormones. Et la principale hormone qui stimule les mélanocytes s'appelle la mélanotropine. En résumé, le Sepiwhite empêche la mélanotropine de se lier à nos mélanocytes et empêche une surproduction. Le dernier ingrédient, des triglycérides capriliques, est une combinaison de glycérine et l'huile de noix de coco. Il est léger et aide donc à transporter les autres ingrédients plus profondément dans la peau.
C'est un conservateur naturel qui aide finalement à maintenir l'hydratation de la peau. Et on passe aux dernières technologies. Le dernier traitement est Revive avec un oxypode rosé. Hydrate en profondeur avec des antioxydants et protège contre les dommages. Plus que tout autre traitement ici, nous verrons le plus d'améliorations sur les ridules, les rides, le relâchement cutané et tous les autres signes de vieillissement avec le Revive. Tout d'abord, l'étoile ou la vedette de cet oxypode est l'algue rouge. C'est ça qui donne la belle couleur rosâtre dans le fond à notre oxypode et à notre traitement. L'algue rouge est encore un autre ingrédient unique. Il contient de la vitamine C et de la vitamine E. Il favorise le renouvellement du collagène et nous protège du vieillissement cutané prématuré. Il y a des années, il était utilisé en matière thérapeutique pour favoriser la cicatrisation des plaies en générant de nouvelles fibres de collagène. L'acide caféique. C'est une dérivée des grains de café et autres fruits et légumes. Ce n'est pas de la caféine. C'est un filtre UV naturel et un autre antioxydant puissant aux propriétés anti-inflammatoires. Il aide également à prévenir le vieillissement prématuré. L'acide férulique retient l'humidité dans la peau. C'est un antioxydant encore une fois très puissant. Il protège les cellules des rayons UV et il prolonge également l'effet d'autres antioxydants. Palmitate de rétinol est une précurseur de la vitamine A, ce qui signifie que nous absorbons le palmitate de rétinol dans la peau. Il est ensuite converti en vitamine A à différentes étapes. Ceci est très important car il s'agit d'un autre mécanisme à libération lente qui le rend efficace et à la fois non irritant. Il aide à exfolier et à renouveler la barrière cutanée. Cela augmente le renouvellement cellulaire. Bien sûr, nous savons qu'il stimule les nouvelles fibres de collagène et qu'il constitue un excellent antioxydant. Maintenant, on va regarder le sérum Revive. Permettez-moi de sauter les ingrédients communs ce fois-ci et d'aller directement aux ingrédients correctifs, les trois qu'on voit en dernier. Extrait d'Eldowitz est riche en antioxydants. L'Eldowitz se trouve dans les Alpes, en haute altitude. La raison pour laquelle il peut survivre au climat rigoureux des Alpes est qu'il est chargé en antioxydants. Il a des avantages anti-inflammatoires et il aide à conserver l'hydratation de la peau. Enfin, il aide à prévenir contre la rupture de collagène. Les peptides. Les peptides de palmitoyle imite la régénération naturelle du collagène dans notre corps, ce qui signifie qu'ils vont plus profondément dans notre peau et qu'elle se lie aux fibroblastes pour transmettre le message de redevenir actif et de créer de nouvelles fibres de collagène et de l'élastine. Elle stimule donc la production de collagène. Et notre dernier ingrédient dans le sérum, le peptide 5 de palmitoyle, agit spécifiquement sur le TGF-bêta-3, qui est le facteur de croissance. Ce peptide active les facteurs de croissance qui sont responsables de la synthèse du collagène de type 1. Il s'agit du collagène que nous souhaitons promouvoir dans notre peau
car c'est le collagène de type 1 qui donne la forte structure de notre peau et son élasticité. Alors, comme traitement anti-âge, ça serait parmi les meilleurs. Maintenant, on a terminé, mon chien. S'il y a des gens qui ont des questions, on peut prendre quelques minutes. Alors, ça a l'air parfait. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Merci. And Jasmine, do you want to ask somebody if they have any questions? Céline est avec nous. Avez-vous des questions, Céline? I think we're good, mon cher. Okay, thank you.